Putain, et salut à tous, c'est Adran et je vous retrouve dans le feu de l'action. Et oui, on est parti pour un nouvel épisode. Le flingue. J'adore cette musique. Bon, je fais gaffe parce qu'il y a des balles traceuses. Tu peux pas y foutre un coup là? Non. Faudrait des balles de snipe, faudrait des balles. Boum. What the fuck? Il s'est démultiplié. J'adore la musique. Je sais pas ce qu'il manigance, mais. No chance to escape, brah! J'ai plus de dart. Putain. Oh putain, je me suis fait détruire. Moi sinon, pour parler d'autre chose, je me suis renseigné sur l'aide à la visée et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais pas du tout le seul à un chier pour viser dans ce jeu, donc ça me rassure. Ok, c'est cool, il y a un checkpoint. What the f... Boom. Headshot. What the... Boom. Touché. Il se déplace super vite cet enfoiré.
J'adore la musique. Putain, il y en a partout. Je trouvais le vrai déjà. Allez, 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 allez. J'ai plus rapide que lui normalement comme ça. Donc ça m'aide. Bim. Potentiel de mise à jour détecté. Viens par là la petite puce. Bon, ça c'est fait. Point non dépassé 1. Aucune question. On a des nanomachines. On va faire ça, comme ça j'aurai des réalisations. Hop, tac, 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 tac. Ouais, j'ai plus de santé. Bon, du coup, j'espère que je serai pas stoppé par les droits d'auteur sur YouTube. Sinon, je vais me faire bien niquer par un jeu, quoi. Putain de feedback puce de merde. Je crois qu'il a fondu la mienne. Un agent bas de gamme comme ça. Putain, je perds la main. Ça va aller ? Merde, c'est pas là qu'on va. Allez, il faut pirater les commandes, allez ! Ouais, fait, moi j'aurais... J'aurais pas tué tout le monde, moi. Ça, c'était vraiment pas obligé, ça. Non, chef, mais... Chef, sécurité d'Aspari. La situation est sous contrôle. Tu peux sortir. Oh, Dieu merci. J'ai cru que vous étiez... C'est ici qu'on veut se rendre. Là. Longue distance. Il faut pirater les commandes et se mettre sur la bonne voie. Bon. Ça va aller, mec ? T'as vraiment pas l'air dans ton assiette, hein? Eh non, je crois qu'il a vraiment pas l'air bien. Bon.
long temps de chargement. Donc j'espère que les frames... Ah, d'ailleurs j'ai marqué un truc. Oh putain. Imaginez, il va y avoir un con qui va me casser la gueule. Laisse-moi deviner. Là, il va y avoir un boss. Il y a un moment où je vais me faire emmerder, c'est pas possible. Système locaux hors service. Blocage à distance activé. Je veux pas vous décevoir les mecs, mais... Si quelqu'un a un souci, qu'il le dise maintenant. Détection système de contrôle à distance. Lance le protocole de contre-déverrouillage par diversion. Source de commande désactivée. Le train est en marche. T'es mon bloqué ? Fuck you, bra.
Bon, quelqu'un a un souci par ici? J'espère pas, hein, parce que je serais déçu sinon. Wait, what? Il est où? Ouais. Merde. Putain. J'avoue que je pense pas trop à commenter dans l'espèce de brouhaha monstrueux que j'entends avec le minigun, c'est assez impressionnant. Et putain, je recommence de vachement loin là. Je mitraille. Merde. Bon, tu as crevé, oui. Bon. Ah oh là là, ce bruit de minigun, je vous jure, quand vous jouez avec le... Fallait pas rester là, lol. Quand vous jouez avec un casque, mais c'est horrible le boucan que ça fout. Bouf. Impossible de se concentrer pour essayer de dire quelque chose en fait. En fait, c'est coupé en de très petits objectifs. Ce jeu, c'est vraiment.
vraiment très compliqué de commenter. Ouh. Ok. Je vais admirer la vue. Dart 6. Ok, patron. Super travail chez Aspari. Quelle histoire avec Drôle. J'aurais dû m'en douter. Elle divulguait des informations à Chang depuis quelques temps. Maintenant qu'il est sur la touche et que les fichiers sont effacés, on a un peu repris la main. Mais on est encore vulnérable. Vous pouvez signer ça, Jack. Qu'est-ce que c'est? La prochaine fois, prenez rendez-vous. Je n'aime pas les surprises. Le marché est arrivé à un point critique et la guerre couve entre les corporations. Ouais, ouais. Global joue les gros bras avec l'histoire du canal de Panama et les avancées technologiques des puces. Ouais, ouais, c'est pour ça que je suis un soldat d'élite. Il y a un risque évident que Drôle passe à l'ennemi. On ne peut pas se le permettre. Mais en même temps, elle est bien trop précieuse pour être éliminée. Sam ! Jack ? J'attends toujours les chiffres promis. Vous me cachez quelque chose ? Désolé, vous les aurez d'ici la fin de la journée. C'est bien. Comme il le chope, genre je vais te détruire, mec, jamais tu... Auto Research and Development. Ce qui nous ramène à notre problème. Regarde-la. La meilleure de sa génération. Quel dommage. Elle est bonne, ouais. Pardon. Excusez-moi, c'est parti tout seul. Suis-moi. Attends, non mais tu vas pas faire un truc du genre tu vas me pointer un flingue sur ma gueule pour N'oubliez pas, tout ceci est confidentiel. Laissons-la dans le doute. D'accord. Lily, grâce à Dieu, si quelqu'un peut le réparer, c'est bien toi. On fait de la science, Jack, pas de la magie. Rien n'est plus important que mes hommes. Merit a été parmi les plus loyaux. Remettons-le sur pied le plus vite possible. La puce est gravement endommagée, mais les connexions neurales ont l'air saines. Ok. On devrait pouvoir placer autre chose dedans. Excellent, Calico. Je ne suis pas sûr. Les nouvelles puces sont très puissantes et ces connexions sont vieilles. Une attaque ! C'est bien ce que je craignais. Kilo, maintiens-le bien. Oulala, oulala, oulala. Merde, on perd du temps. Là. Ouh, ça fait mal. Des convulsions mémorielles du débugage, ça va s'atténuer. Mais les améliorations, c'est fini pour lui. Qu'est-ce que tu m'as fait? Comment tu te sens? J'ai cru qu'on me poignardait en plein cœur. Il est opérationnel, Jack, en pleine forme. Merci, Lily. Il est où? Ah. Ils ont fait quoi pour elle, vu qu'elle les a... Oh là là, t'as vraiment peur dans ton assiette, mec. Ça va aller? Allez, on y va. Oh la vache. Elle t'a plein de trucs dans le cœur. C'est quoi? Oh là là. Il est passé par là? De notre glace. Putain, il y a trop de lumière, c'est impressionnant. Écoute, Kilo. Je vais préparer un paquet pour convaincre le docteur Drôle de rester avec c'est moi, c'est ça? En attendant, surveille-la de près. Il faut s'assurer qu'elle ne décide pas de tenter sa chance à l'ouest. Donc, toi et Mérite, allez être de surveillance pendant quelques jours. Bon, je vais aller briefer l'équipe. Trop de lumière quand et même. Avant tout, Kilo, empêche Lily de tomber aux mains de nos ennemis, quoi qu'il en coûte.
Je suppose que même sa vie. Réception protocole mise à niveau Eurocorp. T'as bugué un peu, je crois, monsieur. Ça, tu m'attends à moi? J'ai toute confiance en toi, Kilo. Une fois cette malheureuse histoire réglée, nous aurons une discussion à propos de ton avenir. Mon avenir? Et de mon point de vue, il s'annonce brillant. Radieux même. Ouh. Dark Space 2069. Donc je vais prendre la puce persuasion. Lancement simulation tactique Dark Space. Activation des tests de performance pour l'application persuasion Darcis. Cette application oblige le porteur humain d'une puce à se battre à tes côtés pendant une durée limitée. Accède à la zone d'entraînement pour lancer le test. Début du test. Activation de l'application persuasion. Donc, choisir le bon. Pour tester tout le potentiel de l'application persuasion. Une bonne utilisation permet de. Ce défi combine l'utilisation des armes à feu et de l'application persuasion. Commencement du défi. Tu dois protéger le coursier jusqu'au bout quand il passe d'une zone sûre à l'autre. Il faut éliminer les menaces et détourner le feu du coursier. Tes munitions sont limitées. Pirate le tableau de la zone de sécurité pour lancer le scénario. Bon. Pirate le tableau de la zone sûre pour continuer. Ah ouais, j'ai le droit à quasiment une balle par... Résultat parfait. Le coursier a survécu en subissant peu de dégâts. Bien joué. Bra. Quitte la simulation. Quitte la simulation, genre non, tu ne restes pas là, dégage. Vous savez quoi, je vais en profiter, je vais vous quitter sur ce temps de chargement, ouais je sais c'est dégueulasse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour la suite de Syndicate. Ciao les gens.